Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie ce midi de vous savoir nombreux, connectés sur vos téléphones, vos ordinateurs, vos tablettes, pour suivre votre émission Cri de Midi. Voilà, nous sommes dans un temps spécial de Cri de Midi parce que nous sommes en train de prier pour détruire les œuvres de la sirène des eaux. Alors, merci de vous connecter et surtout de partager. Voilà, bon midi à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe, c'est la grande majorité. Il y en a qui sont connectés à partir de la France, la Belgique, l'Allemagne, de l'Italie, de Suisse, de Grande-Bretagne, de Luxembourg, de Grèce, partout en Europe. Bon midi à vous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à tous ceux qui sont connectés à partir du continent africain, tous ceux qui nous suivent à partir du Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, soyez bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés à partir de l'Ouest de l'Afrique, soyez bénis au nom de Jésus. Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ghana, Nigeria, Mali, soyez bénis, bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce midi, vous tous qui êtes connectés à partir du centre de l'Afrique, tous ceux qui sont connectés à partir du Gabon, du Cameroun, de la République du Congo, tous ceux qui sont connectés à partir de la RDC, je salue spécialement ceux qui sont là à partir de Lubumbashi. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes là à partir de l'Afrique du Sud, Zambie, Kenya, Malawi, Madagascar, île Maurice, soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce midi, vous tous qui êtes connectés à partir des Antilles et du Caraïbe, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés à partir la Guadeloupe, la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française, de Haïti, soyez bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont aussi connectés à partir de l'Amérique latine, Brésil, Argentine, Chili, soyez bénis au nom de Jésus. À la gloire au Seigneur, tous ceux de l'Asie, Koweït, Dubaï, Chine, Liban, Turquie, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors connectez-vous parce que nous sommes en train d'exposer les œuvres de la sirène. Nous sommes en train de détruire cet esprit de la sirène qui est en train de combattre nos vies, nos destinées et même nos familles. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, je vais laisser 2 minutes de partage, que chacun de nous puisse partager pour dire aux autres de se connecter à ces directs. Voilà. Voilà. Commençons à partager, commençons à partager. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en train de partager.
Voilà, nous sommes en train de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà là en ligne. J'aimerais saluer ceux qui sont là, sœur Aissata Camara. Soyez bénis au nom de Jésus. Famille bénie. Soyez aussi bénis au nom de Jésus. Sœur Astrida et Doum du Bénin. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sœur Clarisse Chabani, depuis Kinshasa, sois bénie ma sœur au nom de Jésus. Sœur Judith Ngwele, depuis le Gabon, sois bénie au nom de Jésus. Maman Julienne Kapinga, depuis Kinshasa, soyez bénie au nom de Jésus. Sœur Nadine Martin, depuis la Guadeloupe, soyez bénie au nom de Jésus. Sœur Sidoine Tunjé, depuis le Cameroun, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Sœur Sylvie depuis Paris, sois bénie au nom de Jésus. Alors, ceux qui sont là, merci de mettre votre vrai nom, comme ça on peut facilement vous saluer avec le vrai nom. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est pour nous le Dieu des délivrances. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Voilà, nous sommes en train de partager, partager, partageons, peuple de Dieu. Ceux qui sont là, cliquez par le bouton j'aime. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de partager. Gloire au Seigneur. Je sais une chose dans le monde spirituel, comme j'aime le dire, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Alors, dans le monde spirituel, comme j'aime le dire, la distance n'est pas un obstacle. Voilà, gloire au Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont cliqué sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Avant de prier, pour commencer, j'aimerais dire que nous sommes dans un temps de séminaire où nous sommes en train d'enseigner sur la sirène des eaux. Donc, je vous demande d'écouter et de réécouter les vidéos, de refaire le prière, surtout ceux qui sont vraiment attaqués par la sirène des eaux. C'est nous tous qui sommes attaqués par la sirène des eaux. Donc, réécouter les vidéos des enseignements. Et refaites les prières. Gloire au Seigneur.
Père, nous sommes à tes pieds ce midi. Nous avons faim et soif d'entendre ta parole. Parle à nos cœurs ce midi. Que ta parole puisse nous transformer. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous libérer. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vie. Bénis encore ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais nous proposer un témoignage et puis nous allons commencer notre temps. Gloire à Dieu. Nous avons toujours beaucoup de témoignages de gens qui ont vu la main de Dieu suite à aux prières que nous organisons, c'est chaque fois que nous avons le témoignage. Sœur Marie-Joséphine, sois bénie au nom de Jésus. Sœur Janine Edith, sois aussi bénie au nom de Jésus. Alors écoutez ce témoignage qui nous vient de la France, ce que Dieu a fait dans la vie de notre sœur. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que quand le Seigneur nous fait du bien, il ne faut pas garder ça pour nous. Il faut venir témoigner la gloire de Dieu, il faut venir témoigner la manifestation de Dieu, de ce qu'il a fait dans nos vies. Là, je viens vous raconter mon histoire. Vraiment, j'ai été habité par l'esprit de famille, esprit de serpent, on va dire presque toute ma vie. Je voyais des choses dans ma vie qui étaient anormales, vraiment anormales. Mais comme à chaque fois, je cherchais là où je pouvais me faire délivrer, mais jamais, jamais ça s'est fait. Comme on dit, avec Dieu, il faut être patient, parce que c'est Dieu qui nous oriente vers celui qu'il a choisi pour faire notre délivrance. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'au jour là où j'ai suivi sur YouTube, en direct sur YouTube, une dame qui témoignait de ce que révérend Paul Richard, il avait fait pour lui, la délivrance qu'il avait reçue à travers notre révérend. Vraiment, ce témoignage m'avait touché. Parce que la dame, elle habite en Europe et elle avait le même esprit que moi, esprit de serpent et tout ça. Et vraiment, au fond de mon cœur, j'ai eu la foi. J'ai dit, moi aussi, je vais me faire délivrer aussi. Comme elle a reçu, je sais que Dieu aussi fera pour moi. Et ça m'a donné le courage. Vraiment, j'étais comme poussée vers le révérend pour le contacter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté le révérend. J'ai expliqué ma situation au révérend. Et révérend m'a mis un programme en place, donc de jeûne et prière pendant 3 jours. Et j'ai dit au fond de moi, il faut que je le fasse. Je dois le faire parce que, comme on dit, trop c'est trop. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi mon jeûne et prière pendant 3 jours. Et voilà, et donc le dernier jour de jeûne, donc j'ai appelé le révérend justement pour conclure le jeûne. Donc le révérend, ce qu'il a fait, donc on a prié ensemble, il a prié pour moi, et là, vraiment, le Seigneur s'est manifesté, vraiment. Ma délivrance a été faite, vraiment, le Seigneur c'était sûr, elle a décidé que vraiment de me délivrer. J'ai reçu ma délivrance parce que j'avais foi. Voilà mes frères et sœurs, comme on dit dans toutes choses, quand vous priez, priez avec la foi. Et les prières qui sont accompagnées avec la foi, parce que c'est la foi qui nous sauve, c'est la foi que Dieu prend en compte pour venir nous délivrer. Vraiment, voilà. Oui, Dieu m'a fait grâce, m'a délivré vraiment ce jour-là, vraiment. C'était vraiment, Dieu s'est manifesté. Et les esprits aussi qui m'occupent, m'habitaient, l'esprit de serpent, femme mari de nuit, les esprits de famille, et vraiment, ils étaient manifestés dans mon corps, ils étaient manifestés. Et le Seigneur les a chassés. Vraiment, Dieu a combattu pour moi. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et aujourd'hui, vraiment, grâce à cette délivrance-là, je me sens légère. Avant la délivrance, je me sentais lourd. Je me sentais vraiment comme quelqu'un qui était troublé. Mais aujourd'hui, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté en moi. Vraiment, mes frères et sœurs, cherchez votre délivrance. Cherchez votre délivrance vraiment pour être pleinement dans le Seigneur. Et donc, le jour là où on a conclu avec le révérend, il a prié pour moi. Le lendemain, mes frères et sœurs, excusez-moi, mais toute la journée, j'ai eu mal au ventre. Toute la journée, mal au ventre. Donc, je faisais des allers-retours aux toilettes. Vraiment mal au ventre. Et c'est là où j'ai compris que non,
Ma délivrance, vraiment, elle était complète. Parce que tout ce qui était dans mon corps, que l'ennemi a mis dans mon corps, tout sortait. Aujourd'hui, je rends vraiment gloire à Dieu. Parce que je me sens léger. Parce que le Seigneur m'a montré que le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime ses enfants. Soyez patients, mes frères et sœurs. Soyez patients. Avec le Seigneur, on doit être patient. Parce que le Seigneur, c'est lui qui doit nous orienter vers qui, quel homme de Dieu a choisi pour nous, pour notre délivrance. Partout où je suis parti là, je n'ai pas reçu ma délivrance. Mais le Seigneur m'a dirigé vers le révérend Paul Richard. Et aujourd'hui, je suis pleinement libre. Aujourd'hui, je sers le Dieu pleinement, pleinement libre. Sans les esprits, les familles, sans les serpents, vraiment. Donc, mon cœur est en joie, mon cœur est en paix. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je voulais témoigner le Seigneur. Parce que quand on reçoit, il ne faut pas cacher. Il faut aussi aller aussi, aller parler aussi à nos frères et sœurs aussi. Pour qu'aussi, eux aussi, de leur côté aussi, qu'ils puissent aussi, que le Seigneur leur touche aussi, d'aller chercher leur délivrance. Vraiment, mes sœurs, ne minimisez pas le Dieu compris. Ne minimisez pas le Dieu, le Jésus-Christ de Nazareth compris. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Il a fait pour moi. C'était ma saison. Là, il a dit non, mon enfant, je vais te faire délivrer. Je rends grâce à Dieu et je dis merci, merci vraiment au révérend Paul Richard. Merci, merci pour vos enseignements que vous nous donnez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Gloire au Seigneur. Cette sœur a été délivrée de l'esprit des sirènes. C'était une sirène qui était dans la famille. Cet esprit s'est manifesté par le serpent et par les couches d'ennemis. Elle est allée partout, il n'y avait pas de délivrance. Le Seigneur l'a orientée vers nous. Nous avons fait le travail. Elle a été libérée. Quelqu'un aussi sera libéré ce midi au nom de Jésus. Et la foi, c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui délivre. Si tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Mais si tu crois aux prières, tu crois à ce que nous sommes en train de faire, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu seras libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur, lui qui nous délivre. Voilà, prière contre les œuvres de l'esprit des sirènes. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 17. Du premier au deuxième verset. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. L'un des sept anges qui tiennent les sept coupes s'avance vers moi. Il me dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Verset, on dit, elle est assise sur les grandes eaux. Le verset 2, les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Se sont prostitués avec elle. L'esprit des sirènes. C'est un esprit qui est connu partout dans le monde. Chez les Indiens, on l'appelle Krishna. Krishna ou Krishna. Dans la mythologie romaine, on parle de Vénus. Et chez nous en Afrique, on parle de Mamiwata. Le
L'esprit de Siret est connu partout dans le monde. Et quand vous lisez l'histoire des mythologies parlant de Vénus, on dit que Vénus provient de la mer. La mer l'a vomi. Elle est moitié humain, femme, moitié poisson. Et c'est la même divinité dont la Bible parle de Dagon. Dagon qui est Dieu poisson. Et la sirène est représentée par le poisson. Moitié humain, moitié poisson. Et une des grandes caractéristiques de la sirène, c'est la séduction. La séduction. On dit les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Donc, la sirène est responsable de tout ce qui est sexualité. Tout ce qui est sexualité est tenu par la sirène. Est tenu par les Mamiwata. Est tenu par Vénus. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est un esprit qui dérange beaucoup de filles. C'est un esprit qui pervertit beaucoup d'âmes. Par la séduction, la sirène entraîne beaucoup de gens dans la sexualité débridée. Et ce midi, je vais nous parler de quelques pratiques sexuelles dont la sirène a poussé des hommes et des femmes. Beaucoup de gens sont possédés par l'esprit des sirènes. La sirène peut posséder un homme. La sirène peut posséder une femme. Il y a des hommes sirènes. Il y a aussi des femmes sirènes. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Voici des pratiques qui sont inspirées. Des pratiques sexuelles qui sont inspirées par la sirène. J'ai à les citer, mais je vais les reprendre en ordre. J'ai répertorié 15 pratiques sexuelles qui sont les œuvres de la sirène dans notre monde d'aujourd'hui. 1. C'est les rapports sexuels entre hommes et hommes ou femmes et femmes. Quand vous voyez les hommes s'accoupler entre eux, les femmes entre elles, s'accoupler, ça c'est l'esprit des sirènes. L'homosexualité. Derrière le mouvement gay, il y a la sirène. Et la sirène est puissante au point où elle a pu influencer les gouvernements à légaliser le mariage homosexuel, le mariage pour tous. Ça, c'est la sirène. C'est de la France. Vous avez un premier ministre qui est gay. Ce premier ministre est marié à un autre homme, comme lui. Ça, c'est l'œuvre de la sirène. Ma prière ce midi, que les œuvres de la sirène dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, soient détruites par les faits au nom de Jésus. Amen. Soient détruites par les faits au nom de Jésus. Amen. Soient détruites par les faits au nom de Jésus. Amen. Deuxième pratique.
désirait. C'est les rapports sexuels par la bouche, les rapports sexuels par l'anus. Donc ce sont les rapports sexuels hors le foie que Dieu a établi. Et ce n'est pas pour rien que nous voyons cela dans les cinémas, on vante cela, les rapports sexuels par la bouche, les rapports sexuels par l'anus. Mon frère, ma soeur, si tu as eu à le faire, il faut se repentir. Si tu continues à le faire, tu as besoin de la délivrance. C'est l'esprit des sirènes. La sirène est responsable de tout ce qui est sexualité débridée. Peuple de Dieu, vous devez savoir que au jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme des bénédictions. La première bénédiction, c'était le mariage. La deuxième bénédiction, c'était le repos. Et vous verrez que la sirène est en train de combattre ces deux bénédictions. Il combat le mariage, il combat le repos. Nous connaissons tous des villes comme Sodome et Gomorre. Quelle a été leur fin? Ça, c'est l'œuvre de la sirène. La sirène pousse les hommes, pousse les femmes à avoir des rapports sexuels par la bouche, par l'anus. Et ce sont des choses qui se font même dans les couples chrétiens. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon frère, ma soeur, quand un homme a l'esprit de sirène, il va t'obliger à faire ça. Quand une femme a l'esprit de sirène, elle va t'obliger à faire par la bouche. Et combien de gens dans notre monde reçoivent des infections, des maladies bizarres à cause de pratiques sexuelles inspirées par la sirène. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu délivre ta famille au nom de Jésus. Troisième pratique sexuelle inspirée par la sirène, c'est le rapport sexuel en période de menstruation ou en période de règles. Des hommes qui sont habités par l'esprit des sirènes vont exiger à leurs partenaires, quand ils sont dans les moments de menstruer, d'aller avec eux. Des rapports sexuels pendant les périodes de menstruer. Vous devez savoir que la sirène a besoin de deux choses. Un, le sperme. Deux, le sang. Tout homme qui te demande les corps pendant tes périodes de menstruer, cet homme est habité par l'esprit sirène. J'étais étonné quand j'ai parlé dans ma vidéo sur les menstrues. J'ai reçu beaucoup de cas des hommes et des femmes qui avaient fait des rapports sexuels pendant les menstrues. Ça m'a montré l'ampleur de l'esprit des sirènes. Comment la sirène est en train de détruire la vie des gens. Ma prière, que le œuvre de la sirène dans ta vie, dans ta famille, soit détruite par l'effet au nom de Jésus. Amen. Soit détruite par l'effet au nom de Jésus. Amen. Par les rapports sexuels pendant le menstruel, la sirène vole ta force, vole ton énergie, vole ton étoile. Et beaucoup ne savent pas. J'ai entendu le témoignage d'une femme. Elle sortait avec un homme. Et l'homme lui donnait beaucoup d'argent quand elle était pendant les masses. L'homme lui donnait beaucoup d'argent. C'est plus tard qu'elle s'est convertie qu'elle a compris que cet homme était un occultiste. Cet homme avait volé son étoile. Oh, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen.
Quatrième, pratique sexuelle inspirée par la sirène, inspirée du monde des eaux. C'est les rapports sexuels entre un homme et plusieurs femmes. Entre une femme et plusieurs hommes. Rapport sexuel entre un homme et plusieurs femmes. Entre plusieurs femmes et un homme. Ou les rapports sexuels en groupe. Ça, c'est inspiré par la sirène. On appelle ça les partous. Quand vous voyez des partous, si vous êtes là, vous avez pris part aux partous. Vous avez besoin de la vie. C'est l'esprit des sirènes. Des rapports sexuels en groupe, ça c'est la sirène. La sirène n'aime pas l'autre établi par Dieu. La sirène a pour mission de pervertir l'homme établi par Dieu. Pour Dieu, un seul homme, une seule femme. Mais pour la sirène, elle dit non, un homme, plusieurs femmes. Une femme, plusieurs hommes. Ça, c'est la sirène. Et chez nous, à Kinshasa, ces choses-là sont arrivées. Il y a eu des partous. Et malheureusement, il y a eu mort d'homme. C'était en avril 2023. Ici, en Binza, dans le quartier Grand Malik, il s'est produit un incident dans la commune de Ganyema. Il y avait un homme qui a organisé une soirée privée, pas tous. Et il a invité les filles. Et les hommes, droit de participation, c'était à l'époque 50 dollars. Ça variait entre 50 à 70 dollars. Malheureusement, ce jour-là, il y a des gens qui ont dénoncé cette soirée privée. La police est venue. La police a procédé par des arrestations. Et l'auteur de cette partouze-là a piqué une crise. Et il est mort. Comme dit la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort. Quand vous mourrez dans des choses comme les partouzes, votre porte, tout droit, c'est l'enfer. La Bible dit, rien d'impur n'entrera là-haut. Par la sexualité débridée, la sirène veut nous souiller. Ma prière ce midi, tout dépôt, toute semaine, la sirène en toi, soit nettoyée, soit purifiée par le sang de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Cinquième pratique sexuelle inspirée par la sirène, c'est ce que j'appelle les rapports sexuels entre un père et sa propre fille, ou une mère et son propre fils. C'est des pratiques qui sont courantes dans notre société. Un père qui sort avec sa fille. Et ça, on a beaucoup de cas comme ça. J'ai reçu pour la délivrance le cas d'un frère. Il ne connaissait pas ses parents. Du moins son père. On lui avait caché qui était son père. Il était dans la confusion concernant son père. Il connaissait sa mère, mais il ne connaissait pas son père. On lui a présenté un monsieur là, lointain, qui est décédé, soi-disant son père. C'est quand nous sommes entrés en profondeur qu'on a découvert que son grand-père, c'était lui son père. Son père avait engrossé sa propre fille. Et ils ont eu l'enfant. Et c'est
comprends tu? Des parents qui sortent avec leurs filles. Et c'est vraiment courant. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais encore étudiant. Dans les plateaux des professeurs, il y avait un prof qui sortait avec sa propre fille. Au point où sa femme a commencé vraiment à se sentir mal à l'aise. Mal à l'aise. Et sa fille a commencé à faire de la jalousie contre sa propre mère. Tellement la femme était blessée, blessée par cet acte-là. Comment cet homme peut me prendre comme rival ma propre fille? Donc quand vous voyez des choses comme ça se passer, sachez que c'est la sirène des eaux. Ça pousse les hommes à sortir avec leur propre enfant. Ça pousse les mères à sortir avec leur propre fils. Cette femme, tellement elle était blessée, elle a pris des bandits pour tuer son mari. Et laissez-moi vous dire que le prof a été tué par des bandits. Quand on a fait l'enquête, tellement c'était une personnalité publique, on a fait les enquêtes et les bandits ont été appréhendés, arrêtés. Ils ont passé aux aveux. Ils ont donné le nom de la combattante. Et cette femme, jusqu'aujourd'hui, elle est à Makala. Des pratiques sexuelles inspirées par la sirène. Elles vous poussent à sortir avec vos propres enfants. Chaque fois que vous voyez ça, c'est faire dans notre monde. Sachez que ça, c'est l'œuvre de la sirène. Sixième pratique sexuelle inspirée par la sirène, c'est les rapports sexuels entre un vieux papa et une jeune fille qui a l'âge de sa fille ou de ses enfants. Quand tu vois un vieux papa sortir avec une jeune fille qui a l'âge de son enfant ou de sa fille, ça c'est l'esprit des sirènes des eaux. Vice versa, quand tu vois une mère sortir avec un jeune homme qui a l'âge de son enfant ou de sa fille, sache que ça c'est l'œuvre de la sirène des eaux. Oh, que Dieu se lève pour nous délivrer au nom de Jésus. Bien-aimés, où va notre monde? Où va notre monde? C'est des faits des sociétés que nous vivons tous les jours. Au nom de l'argent. Les jeunes filles sont abusées par des hommes âgés qui ont l'âge de leurs parents. C'est des pratiques diaboliques. C'est des pratiques qui sont inspirées par la sirène. Sept rapports sexuels avec un membre de sa famille, inceste. Et ça, il y a beaucoup de cas d'inceste que j'ai reçu. Beaucoup de cas d'inceste. Il y a quelqu'un qui me parle de sa famille, dit dans ma famille, les aînés sortent avec les femmes de leur mère. Et ça, c'est un fait qui est dans la famille. Il y a l'inceste. Quelqu'un m'a dit, il y a l'inceste dans ma famille. Nous sortons avec nos cousins, nos cousines. Ça, c'est la sirène. Sortir avec un membre de sa famille. Je suis allé faire la prière dans une famille et j'ai constaté un enfant qui était timide. Elle était différente des autres enfants.
C'est en creusant que la maman va offrir son cœur. Pour dire que cet enfant, ce n'est pas mon enfant. C'est la foi de mon mari. Il a eu cet enfant avec ma petite sœur. Et quand elle parlait, c'est là, le cœur meurtri. La famille a été divisée à cause de cela. Ça, c'est la pratique de la sirène. La sirène vient diviser les gens. En poussant les gens par les désordres sexuels. En poussant les gens à tomber amoureux de leur cousin, de leur cousine. Des membres de leur famille par alliance. C'est diviser. Créer le désordre dans les relations. Oh, que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Dans les familles où l'esprit des sirènes est là, vous allez constater les histoires d'inceste, des viols, d'inceste. Ça, c'est la sirène. J'ai reçu ici chez moi le cas d'un frère qui a été abusé par sa grande soeur. C'est sa grande soeur. Ils ont eu des rapports sexuels intimes avec sa grande soeur. Sa propre grande soeur. L'esprit des sirènes. Voler, détruire, souiller les gens. C'est ça sa mission. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, délivre ma vie. Délivre ma vie. Des œuvres de la sirène. Des œuvres de la sirène. Délivre ma vie. Délivre ma vie. De l'esprit de la sirène. De la sirène. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Oh Dieu, délivre ma vie. Crie à Dieu, mon frère. Crie à Dieu. Frère. Crie à Dieu de te délivrer. De délivrer ta famille. De délivrer ta vie. Délivre-moi. Que Dieu te délivre. Que Dieu délivre ta famille. Délivre ma famille. De l'esprit des sirènes. Oh, et tu es. Alors que je crie à toi. Crie à Dieu, mon frère. Délivre-toi. Délivre ma vie. Les œuvres des sirènes. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Délivre-moi. De l'esprit des sirènes. Délivre mes pensées. De l'esprit des sirènes. Nous devons nous repentir de ces choses-là.
Lève le débat et dis à oh Dieu, je viens ce midi devant ton trône de grâce, me repentir de toutes pratiques sexuelles en dehors de ta parole. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, pardonne-moi. J'ai agi par ignorance. Je me repens, ce midi. Je prends la décision de me séparer, de renoncer à toute pratique de la sirène au nom de Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Fais abonder ta miséricorde sur moi. Sang de Jésus, nettoie-moi de toute impureté. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Je m'approche de ton cœur et de grâce. Ce midi, je viens me répandre au Dieu. Je n'écoute pas qu'il se soit sur les yeux de Dieu qui ne correspond pas à ta parole. Oh Dieu, ce midi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. D'avoir fait cela, Seigneur, pardonne-moi. Alors que j'étais ignorant, je lui dis, je vais me repentir devant toi. Je vais me repentir devant toi. Je vais faire ton action par rapport à ton roi. Au rythme du monde, je tombais dans ce piège. Je cherchais ce qui vient à faire. Oh Dieu, je péché devant toi. Je me repens ce midi. Je me repens ce midi. Où le sang de Christ me lave. Où le sang de Jésus. Mes pratiques impures, oh Dieu, mes pratiques à ton Dieu, dans ton forme, à ta parole, purifie mon sang, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit, Saint Jésus, nettoie-moi ce midi, Saint Jésus, purifie-moi ce midi, Saint Jésus, garde-moi ce midi, garde-moi ce midi, et tu sèves de la sirène, et tu de la sirène dans ma vie, lave-moi, Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu, 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 pardonne-moi, pardonne-moi, pitié, Seigneur, pitié, pitié, papa, pitié, 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 Seigneur. Pitié, Seigneur! Ma bonne soeur, ma bonne mère, ma bonne parent, ma bonne Dieu, pitié, 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 Seigneur! Pitié, Seigneur! Pitié, Seigneur! Pitié, pitié! Je plaide coupable pour moi et ma famille, je plaide coupable ce midi devant toi, pour moi et ma famille, pitié! Pitié, Seigneur, pitié, 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 Seigneur, Seigneur Dieu, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde sur moi et sur ma famille, sur moi et sur ma famille, sur moi et sur ma famille. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, pitié. Pitié, 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 ma famille, pitié, 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 pitié. Pardon, Jésus-Christ. Dis après moi,
sang de Jésus. Nettoie mon esprit. Nettoie mon âme. Nettoie mon corps. Les œuvres de la sirène. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Sang de Jésus, purifie-moi, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, Je suis
merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
J'ordonne à l'esprit des sirènes de te quitter au nom de Jésus. De te quitter au nom de Jésus-Christ. De te quitter au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres de la sirène dans ta vie soient détruites par le feu au nom de Jésus. Soient détruites par le feu au nom de Jésus. Soient détruites par le feu au nom de Jésus. Sois libéré de l'esprit des sirènes. Sois libéré de ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. La prison de la sirène est brisée au nom de Jésus. La prison de la sirène est brisée au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, commençons à remercier le Seigneur. C'est l'outil pour la délivrance. Commençons à remercier le Seigneur. Alléluia. Père, merci. Commençons à remercier le Seigneur. Merci dans la pour le maître du temps et des circonstances. Merci pour la victoire. Merci de la victoire. Oh Dieu, c'est le oui, la victoire que tu as sur la sirène, sur les esprits des cieux. Merci, oh Dieu, car nous l'avons vaincu à cause du sang de ton fils Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci. Tu nous donnes la victoire par le sang de Jésus. Merci parce que tu as opéré. Merci parce que ton Dieu, tu t'es manifesté dans nos vies. Et tu nous as libérés de toute emprise, éternel Dieu, de la sirène, de toute emprise des esprits des cieux. Merci pour la délivrance de nos familles ce midi, oh Dieu. Merci, merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci de réécouter la vidéo et de partager. Toi aussi qui n'as pas encore répondu à l'appel au partenariat, nous prions vraiment que tu puisses répondre à cet appel et devenir partenaire de ce ministère. Voilà, ensemble avec vous, nous pouvons aller plus loin. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse aussi tous les partenaires qui nous soutiennent par leurs finances, par leurs dons, et qui nous permettent de continuer ce travail. Voilà, shalom à vous, soyez bénis, on se retrouve le soir. Shalom, shalom.